Et les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog 103.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Call of Cthulhu, un jeu PC qui m'a été offert par Christ. Encore une fois, merci beaucoup à toi. Nous sommes de retour sur l'île et je finis mon gâteau, c'est génial. Et on essaie de découvrir un petit peu ce qui s'est passé vis-à-vis de la famille Hawkins. Et pour l'instant, je passe surtout du temps à me balader. Lui, je peux pas lui parler. On va essayer de visiter. Décidément, ça colle aux dents, ces trucs. Je peux pas monter par là, non? Ah, c'est dommage. Ça aurait été une bonne technique pour aller visiter ce qu'il y a là-haut. Peut-être plus tard. Alors, encore une fois, je n'ai aucune idée de la durée du jeu. Donc c'est un jeu d'énigmes un peu à la Sherlock Holmes. Peut-être éviter d'ouvrir tous les trucs qui traînent, hein, quand même. Que ceci. Alors, le navigateur. 484, 577. Bah oui. Par contre, je viens de calculer qu'en fait, forcément, mon téléphone était en mode éteint. Donc, je reçois pas les informations. Bah oui. Il faut, quand même. Alors, je peux regarder ça. Occultisme. Patron saint of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. Effectivement, il y a un truc écrit dessus. On va aller voir de ce côté-là. J'ai combien de points, moi, actuellement? 2 points. J'ai que 2 points. Occulte, et donc on a la statue. Le saint patron des baleines et des baleiniers protège-t-il encore les marins de Darkwater? Il y avait visiblement d'autres déités avant Saint Brendan, et leurs adorateurs ne semblent pas de cet avis. Les locaux rendent encore hommage au vieux saint, mais la statue a été marquée par les représentations dans les représentants de notre culte. Ok. Moi. J'ai envie d'aller voir le bateau, le vieux bateau là qui s'est échoué, j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans. Je sais pas si je pourrais y aller à un moment ou à l'autre. Mais ça fait rêver, j'adore ce style et j'ai envie de voir ce qui s'y cache. Chut. Damnation, I broke it. It's no use. The padlock won't give. Les Schtroumpfs, j'y étais là. J'aurais pu. Est-ce que c'est parce que j'avais pas le niveau ou... Ah, c'est loupé. Je suis sûr que eux, ils ont quelque chose à nous apprendre. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's gonna be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. Merci. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. Now, we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. I went to see the statue of Saint Brendan. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. Non, c'est pas honteux, c'est cassé, c'est le crochet qui était pas solide. Pas moi qui l'ai cassé. Il s'est cassé tout seul. So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site and we let no one enter her property.
I've got to get inside. It's your boss who sent me. Oh yeah? And why didn't she say anything to us? She sent me to see who's filching her stock. I don't know what you're talking about. You got no proof to back up your claims, and I'd advise you against snitching. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. Oui, mais attends. J'ai écouté un morceau de dialogue, mais je me rappelle plus de ce qu'ils ont dit. Bon bah c'est pas ça. Je suis pas doué pour crocheter les serrures en tout cas, ça c'est sûr. Je peux pas sauter donc je peux pas voir ce qu'il y a de l'autre côté de ce machin là. Bah apparemment c'est le hangar qui permettait de traiter les baleines. Je sais qu'il y avait un vieux bug d'affichage mais en fait non, c'est la lumière du bassin. J'ai perdu mon écouteur, viens là. Tout ça parce que je voulais me gratter l'oreille. Pas malin ça hein. Il faut que j'évite de trop gratter parce qu'encore une fois plus on gratte et plus ça gratte. Toc, on y va. On va aller voir par là-bas. Bijou, bijou, lui toujours accoudé à des trucs. You're back again. À mon avis, il y a un bug, il est pas censé être là. Apparently, the bootleggers don't want anyone hanging around the warehouses. They're part of the private property I mentioned earlier. And yet the place looks abandoned. Why guard the entrance? As a precaution, I suppose. All the warehouses are more or less interconnected by old sewers. You mean that there's a way to go from one to the other by tunnel? I couldn't tell you if it's still the case today for all the warehouses on the island, but I think I can imagine what you've got in mind. You can always visit them if you're not the claustrophobic type. Okay. You're back again. What can I do for you? Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait des éléments supplémentaires. Donc en fait, vraiment... Ok, donc j'ai vraiment pas le choix. Coucou Urtica, comment ça va? On va passer par ici. On va essayer de retourner là où j'étais tout à l'heure. Mais ça me paraît bizarre parce qu'on a quand même trouvé pas mal d'objets. Donc la question c'est comment je peux, à cet instant donné... Et réussir à activer la machine pour que ça se lève, ça. Il y a toujours ce point d'interrogation, là. Parce que pour moi, j'ai tout récupéré, il y a là... Le machin qui permet de retourner, de contourner le... Je vais pas choisir une autre option. Est-ce que... Comment je peux faire? Ce que j'aimerais bien, c'est activer le truc, moi, tout simplement. Bon, je vais regarder ça. Ce que j'aimerais bien, ouvrir ça, mais je vois pas comment je peux faire autrement. Déjà bloqué dans le jeu, quoi, le mec qui... Il y a forcément un moyen d'activer ce truc. Pourquoi je peux pas le tirer le treuil? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire une action particulière ou... Ah, je peux me pencher, puis je peux me mettre dans un coin et me pencher. Ça, j'avais pas fait gaffe, donc je peux me mettre comme ça. Et dire, hey, qu'est-ce qui se passe par là? Tu sautes des étapes, hein? Monsieur. Ouais, mais du coup, je fais comment, moi? Si je peux pas passer par là. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. I shall take my leave. Qu'est-ce que je peux faire du coup? Il y a forcément un moyen d'obtenir un résultat, mais pour moi, t'es 4. Ouais, c'est bon. Au revoir. You again.
What do you know about the Hawkins warehouse? On a déjà demandé, je crois. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Il me l'a déjà dit, lui. Screams. Screams. And that's but anything. Charles Hawkins owed you a lot of money. Do you know if he had problems? I don't know the details, and it's not my business. Money or not, he was always welcome in my bar. The Hawkins family was always much appreciated on the island. D'accord, donc c'est une bonne information, ça. I read the article on the miraculous catch. Interesting local folklore. Don't get it into your head to repeat that round here. It's more than folklore. On that day, the crew of the Scylla caught an exceptional catch. The biggest whale ever caught. And they saved Darkwater from famine. You seem to know Charles Hawkins well. Well, we all knew then. I've got what... Any... That'll be all for now. J'espère qu'il n'y a pas un bug, un truc qui nous bloque ou autre, parce que... Ah, that's it! Maybe we should let him take it. No. No, the risks are too high. Du coup, je suis déjà coincé dans le jeu, quoi. Comment suis-je censé réussir à passer cette porte? Ok. J'ai raté un truc. C'est-à-dire que j'ai raté, j'ai loupé, ou... Là, il y a l'échelle. Parce que je me disais que je pouvais essayer d'aller vers l'autre porte là-bas, mais là, y'a rien. Merci Gloomir pour l'aide. Qu'est-ce qui pourrait me manquer dans cet entrepôt? Là, y'a des roues, des roues, des roues. Ça, on l'avait découvert, ça, je l'avais regardé. Donc là, je ne vois rien de plus ici. La chose que je vois finalement, c'est la possibilité de monter maintenant. Peut-être que là, il y a un truc, non? Non. Est-ce que je peux... Non plus. Là, je ne peux pas non plus essayer de passer. Là non plus. Salut, Klitz. Bah, comme d'hab, en fait. Qu'est-ce qui t'arrive? Je cherche à... comprendre ce qui pourrait me manquer. Parce que j'aimerais bien aller voir la porte de l'autre côté, mais... comme je peux pas passer... J'ai l'impression d'avoir tout activé. Déjà, on a le truc circuit. On a la manivelle. Pourquoi je peux pas simplement tourner la manivelle? Il me manque un gant, il me manque un machin qui va au bout, ou... Puis il y a ce point d'interrogation, je sais pas tout ce qui... À quoi il sert ce point d'interrogation? Attendez. Non. J'ai cru voir... Ah si, il y avait une main, mais je pense que c'est celle-ci, la main. Eh! Comment j'ai fait ça? Comment j'ai fait ça, moi? Mais oui, mais voilà! Mais voilà pourquoi! C'est un hasard complet que j'ai appuyé sur le clic menu. C'est pour ça que je tourne en rond depuis des plombes. Est-ce que j'ai une limitation sur le briquet en fait? Faut pas oublier, encore une fois, effectivement, qu'il y a des éléments qui ne se voient qu'à la lumière. Et mais du coup, il va falloir que je fasse le tour de toute la carte, là. C'est pas possible. Ah, du RTX. Enfin, du RTX, des ray tracing. C'est pour que je me pose des questions, c'est ça, ouais. Du coup, j'ai envie de fouiller partout à nouveau. Mais c'est terrible, ça. C'est terrible, c'est affreux. Bonjour, auriez-vous vu... Est-ce que je peux foutre le feu aux gens?
Convenant postal avec un petit peu d'essence et oup. Tout qui brûle, ça peut être rigolo, non? Je vais aller voir par là. Rien du tout. Rien du tout. On va dire que c'est bon, hein. Poisseuse des lieux. Bah écoute, ça peut être poisseux inflammable, hein. On ne sait jamais, va savoir. Ça reste possible. Bonjour. On s'est déjà vu, monsieur. Ayez patienté, je cherche à allumer le feu. Allumer le feu. Sorti en 98, apparemment. Le single d'allumer le feu. Vous comprendrez pourquoi, d'ici quelques temps, je dis ça. Toc, 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 y'a rien. Y'a vraiment rien d'autre à voir, là? Genre, on est tout bon, on a le rouage, tout est réglé. En fait, j'avais surtout envie de revenir ici. Non, mais des lumières vertes. Qui a pondu des lumières vertes? J'adore l'ambiance. Je vous ai déjà dit que j'adore l'ambiance. On va ranger le briquet, on va partir du principe que j'ai tout vu. D'accord? Et je compte sur vous pour me crier au secours si jamais je... Ou m'annoncer si jamais je... Vous voyez que j'ai pas... fait les choses correctement. Je dirais qu'il a été bouffé par quelque chose quand même. Je viens de calculer que ça fait comme d'habitude et que cette souris elle double clic. C'est-à-dire que quand j'appuie, ça compte deux fois le clic en fait. Bon allez, maintenant qu'on a récupéré ça, on va enfin pouvoir avancer. Depuis le temps que je tourne en rond. Donc, ah oui, c'est coché maintenant le point d'interrogation. Comme quoi j'ai bien tout trouvé. Ok. Et ben voilà! C'était pas si peu compliqué quand même! Looks like everything is in its place. All that's left is to try to turn this handle. Allez, on y va. Insmooth, oui, j'avais commencé à voir Insmooth. Broke it. Sérieux? J'ai cassé quoi? Bah, qu'est-ce que c'est qui est cassé? Bah. Je l'ai cassé. Je l'ai cassé. Plus croque le ventre. Mais j'ai tout cassé? Pourquoi j'ai tout cassé? Comment j'ai fait mon coup là? Et le truc, c'est que je peux plus rien activer. Est-ce que je peux récupérer l'autre manivelle quelque part ou... Donc là aussi, il y a des manivelles, mais... Mais moi qui venais de trouver une solution, c'est pas juste. Moi je voulais rentrer là-dedans. S'il vous plaît. C'est tout cassé. C'est au prix, il y a des QTE. On verra. Mais du coup, je passe par où moi? Entrer dans l'entrepôt, machin chose, mais. Si je peux pas descendre par là, faut que je passe par où? Faut que je refasse le tour? Ah bah non. Ah bah non, bah voilà. Got lost on our turf. You're not only inquisitive, you're also stupid. Ah bon? What gave you the crazy idea to come onto my turf? Alors... Qu'est-ce qu'on va lui dire? Alors que se passe-t-il? Eh ben, il y a la femme mystérieuse qui est venue nous parler. Mais je pense que c'est Katel, je vois pas que ça pourrait être d'autre. Est-ce qu'on va garder le silence? On va garder le silence. Vaut mieux pas qu'on parle.
Has the cat got your tongue? You've come for a fight. What I've got to say won't change a thing. You're a quick learner. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. T'as un petit côté Elisabeth quand même, hein? Is your name Kat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Salut Gadoken, comment vas-tu? Or maybe not. Ouh! Est-ce qu'il y avait des QTE ou la mettre? Je sais pas. J'ai pas fait gaffe. Get this Joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. J'ai pas regardé s'il y avait des QTE ou pas. Oh, I'm getting careless. I didn't see that coming. If I want to get into this warehouse, I'm gonna have to deal with her. Parce que s'il y avait des QTE, je n'ai absolument rien vu. Je sais pas s'il fallait appuyer sur quelque chose. Kiwi! On dit kiwi, madame. Pas de QTE. D'accord, il y avait rien, j'ai pas vu. Et si j'avais pas vu, c'est parce qu'il y avait pas. Ouais, d'accord. Et du coup, on est à nouveau bloqué. What could have done so much damage? You can't understand, you're not sailors. It's a sign. Salut Alucard. C'est vrai? Alors attends, est-ce qu'elle est encore au bar, la miss, là? Ouais, elle est encore au bar. Hey, Mitchell. A drink for our new friend. I owe you. You don't know how to fight, but at least you've got guts. Yeah, aching guts. Huh. I've got them too. But you don't hear me whining like a pooch who's lost its leash. You didn't back down. Something that I respect. So understand by that. If I catch you again, you'll carry a more permanent reminder of our encounter. Tell me, what brings you to Darkwater? I'm investigating the deaths of the Hawkins family. It's very nice of you to tell me the truth so openly, but it's also really stupid of you. You really don't seem to know the area. Let me give you a little advice. If you want to survive more than a day in this rat hole, avoid talking about them to the first people you meet. C'est bon avec l'ambiance derrière qui des mecs qui chantent. Coucou Didoun. Comment ça va? D'être pour rentrer dans l'entrepôt, je devais bien connaître Darkwater, vous n'êtes pas la seule menace. I've got a few questions about the island. I'm not here to give you information. Mitchell will tell you what he wants to tell you. Is that more dangerous than having a drink with you? I'm not kidding. The old families? They were here long before us. And they'll be here long after we are gone. The old families? The descendants of the first whalers. These people truly worship their ancestors. Ah bon? Alors... I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. M'en fous. It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? Aurais-je pris ce risque? Get over. I've seen what you're capable of. And you didn't miss me. I accept the compliment. Well, I see you're serious. To be honest, as long as it doesn't interfere with my business, I don't care. But I'll go with you. To make sure you don't stick your nose into things that don't concern you. Sounds honest to me. I'm not finished. If I do that for you, if I let you onto our turf to conduct your little affairs, you'll be indebted to me. And I guarantee that I always collect on what I'm owed. Elle a vraiment changé, Elisabeth. Think about it. I help you, you'll owe me a favor in return. Do you accept? Le truc, c'est comment. Ce que j'aime pas dans ce genre de marché, c'est qu'on sait pas encore ce qu'on lui doit. Bonne nuit, K2M. Fais de beaux rêves, prends soin de toi. Encore une fois, merci d'être passé. Et à une prochaine fois, bon courage avec ta visite.
Enfin bon, je dis bon courage, mais il n'y a pas besoin de bon courage en fait. C'est... Je te souhaite que ça se passe bien, quoi, c'est tout. Ce qu'elle a fait tout à l'heure. Non, mais. Non. C'est pas parce qu'on nous fait des choses qu'on fait des choses en retour. Non, oui, non, oui, non, oui, non, oui. Je sais pas quoi choisir en fait. En même temps, je m'en fous. Qu'est-ce qu'on peut lui devoir et même si on lui doit quelque chose, est-ce qu'on est obligé de le faire quand même? On devrait. Mais si on s'en fout. Je sais, tu me l'avais dit, Kadazan. Que tu devais recevoir du monde, etc., que t'es en vacances. Allez, do I have a choice? Oh, we always have one, detective. Follow me. Nobody questions your authority here. I was given to believe that Fitzroy stood up to you. That dope tried to save face in front of his sailors. They revere their brave captain as they do their old statues. But sooner or later, all statues get buried in bird shit, and nobody cares. And the police? They do nothing to stop you? The local cops? The cops drink like everyone else, sweetheart. They know where their interests lie. Apart from that pig-headed Bradley. Bradley. I don't know whether to admire his stubbornness or to have pity on him. Alors, comme d'habitude, on a le problème du... Le personnage avance à une vitesse qui n'est pas celle de notre personnage, donc on est obligé d'avancer par à-coup. Vraiment, Booker DeWitt n'a pas su s'occuper de madame. It's fine. He's with me. Oh. Okay. Ah, on fait moins les malins les deux là, hein. Un. J'hésite à la suivre. J'arrive. Je vais d'abord voir s'il y a des choses à récupérer dans les coins. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Toujours faire attention à ce qui se cache dans les recoins du monde. Une échelle cassée à qui manque des barreaux. Alors madame, elle me brise les bonbons et ensuite elle... Ok. D'accord, j'ai compris. Ensuite, elle refuse de déplacer les morceaux de tôle. J'ai même pas dit après vous. Mais ça, c'est ta faute. Bah. Quoi, le crochet de la serrure? That's how it's done. Do I still need to hold your hand? Or do you think you'll get by on your own now? Don't overdo it. Good. In that case, I'll leave you. I've done enough mothering for now. Fondu au noir pour faire disparaître le personnage. Bienvenue dans un vieux jeu. Oh, this place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Ouais. Pour entrer dans une scène de reconstitution, maintenir un plus clic. Attends. Et j'ai pas le droit de fouiller d'abord? Si j'ai envie de fouiller d'abord. Il y a un tableau. Apparemment, je peux pas. De toute façon, je peux rien ramasser là, apparemment, tout de suite. Une scène de reconstitution. Ouais. Il y a des choses bizarres par ici. Bon, bah, c'est parti alors. Glass is shattered, like someone smashed it. Was it before or after the removal of these bandages? Ok, on va essayer de tout découvrir.
Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? It smells as bad as it looks. Super, c'est pas très très joli. Can't sleep. I know how that feels. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Ok, non, mais je veux continuer à chercher, moi. What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Eh bien, je sais pas, mais apparemment, il y a quelqu'un qui s'est allongé ici. D'accord, ensuite, est-ce que j'ai tout vu? Est-ce que je peux pas utiliser le système de d'allumage de bougies, là, le briquet. Le briquet, le mot c'est briquet, voilà, briquet. Chut. Le petit Parisien. Who might keep a news clipping about Sarah Hawkins? Ça y est, apparemment j'ai tout vu, il y a une petite... Le point d'interrogation est coché, c'est bon. Donc on va dire qu'on est ok. On va quitter le mode reconstitution. J'adore cette ambiance, c'est joli. Quelqu'un a enlevé des bandes. J'aime bien l'ambiance. Je sais que je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais j'aime bien. Donc là, il y a la photo. Là, il y a la peinture. Il y a le morceau de journal. Ceci. Et alors? Qu'est-ce qu'on en tire de tout ça, là? Je suis censé ressortir après? Non. Il y a vraiment rien de plus que je puisse faire? Ça me perturbe. On voit qu'il y a un étage ici, mais j'ai pas vu. Ton système de protection des jambes. Hein? J'ai rien compris. C'était une allumage de bougie. Bah ouais, mais écoute, je... Quand on trouve pas le mot, on le remplace par autre chose. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne en anglais. Hein. Quand tu connais pas le mot en anglais, t'essaies d'expliquer avec d'autres mots que tu connais. Y'a pas une trappe, un truc quelque part, hein. Un machin. Faut juste que je ressorte. Là, ce qu'on voit, qu'il y a des trucs au-dessus. Là, c'est du sol. Je vois pas un seul autre élément à activer en dehors de ça. Donc où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais où est donc Ornicar? Là, il y a le policier de l'autre côté. Est-ce que j'ai raté? Normalement, ça m'a marqué que j'avais tout vu. Donc, est-ce que ça veut dire que j'ai des nouvelles options de dialogue qui sont apparues ailleurs? Je ne sais pas. Ben, comme je vois pas ce qu'il faut que je fasse de plus, on va sortir. Hein. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? Yo, don't move! Detective Pierce, I told you to stay away from this warehouse. Wound up? You mean messed up? Dog. We don't take no lessons from the likes of you. We do our job carefully and fairly. No stone was left unturned. Really? Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? Oui. I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Ah, c'est toi qui te garde n'importe comment? Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. Bonjour. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction.
Officer Bradley. You've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why are you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed, but we'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. Bon bah j'avais raison, c'est bien le manoir. See the building? Oui, je vois le manoir. That's the Hawkins Mansion. Come on. Bienvenue au manoir hanté de Disneyland Paris. Ma foi, l'ambiance a l'air plutôt bonne. Alors, chapitre 3, jardin du manoir Hawkins. Pierce est parvenu à s'introduire dans l'entrepôt, le lieu que tous croient abandonné, à révéler quelques surprises, les traces d'une occupation récente ainsi qu'un tableau en partie calciné. Interrompu dans ses recherches par l'officier Bradley, Pierce l'a convaincu de se joindre à son enquête. L'officier de police a accepté de conduire le détective au manoir Hawkins. Et on va à nouveau entrer dans la folie. Déjà le chapitre 3, enfin déjà... c'est vite dit quoi. Ce monsieur, on a l'impression que quelqu'un lui a fait un sourire d'enfer. Peut-être que c'est le Joker dans Batman. Et que là, nous sommes au manoir Bruce Wayne. Manoir Wayne. J'entends des respirations. Ah bah oui, c'est bien quelqu'un qui nous regarde. I am Batman. Well, here we are, Hawkins Mansion. Cela m'a l'air tellement accueillant. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. J'aime bien l'image là, c'est très joli, je trouve. Avec le flic en premier plan, le lieu complètement destroy en fond, enfin complètement, pas complètement, mais glock quoi, et la petite lumière jaune sur l'agent, un peu comme s'il était la seule chose vivante de cet environnement. Je croyais que le manoir avait brûlé. Trouver objet caché, score insuffisant. Oh, j'ai raté un objet caché. Cette maison tombe en ruine, vous connaissez bien les lieux. Ne traînons pas, de quoi doit-on se méfier? Your partner Andrews warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family, so he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Alors, vous connaissez bien les lieux. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting. Ah, j'ai pas arrêté de bailler hier sur Alexa. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Mais je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'arrive, enfin, depuis quelques jours, j'arrive pas à dormir plus d'une heure, en fait. Je me réveille quasiment toutes les heures, donc je sais pas si les voisins qui font du bruit ou un truc, mais bon. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though, he's a remarkably sturdy man, given his age. J'adore l'ambiance. True force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go, right?
Le truc, c'est quand je suis réveillé, je sais pas pourquoi je suis réveillé. Parce que mon téléphone, depuis que ça a commencé à m'arriver, je l'ai mis en silencieux. Parce qu'avant, ça sonnait pour tout et pour rien, mais je pensais pas l'entendre, donc je me suis peut-être que tu l'entends avec cet réveil. Sauf que là, il est en silencieux, donc il est même pas censé faire du bruit. Donc, je sais pas. Que je me réveille, je me dis, bon, attends, il est quelle heure, là? Genre, je me suis couché vers 13h30 aujourd'hui. Et je me suis réveillé, je dis, mais attends, tu t'es réveillé, t'as dormi combien de temps, là? Il fait encore jour. Et en fait, je regarde, ça faisait une heure que je dormais. Et ainsi de suite. Cette maison tombe en ruine. I don't believe the fire is the only reason this house is in such a state. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. Normalement c'est bon, on a quand même bien. And I want to be able to see when ah parce qu'il fait pas nuit encore. I'll go with you, if only to reassure Silas. Why not? You can help. Right. Let's go. Je pensais qu'on était déjà de nuit, moi. Cette classe quand même. J'adore le bâtiment. J'ai envie d'explorer partout. Oh, j'adore ce genre d'environnement. Vous savez quoi? Pause. Est-ce qu'on a dépassé les 48? On va faire une coupe de rediffusion. J'ai envie d'aller voir ça. Ça me plaît. C'est un film de vampire des années 30. Il est midi là. Je sais pas, mais c'est super classe l'ambiance. J'aime beaucoup. Bon. Petite coupure de rediffusion en espérant que cela vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstjeux.fr et passez une agréable fin de journée. Allez, prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Salut.